some people on that were ungrateful. I done held some bitches down that were unfaithful. Leaning, pouring syrup, no maple. Foundation music, got that money on the table. Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien, se retrouve sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo concernant GTA Online et les bonus de la semaine à récupérer, puisqu'il y a 200 000 GTA dollars à gagner cette semaine. Vous allez voir, c'est plutôt simple à les récupérer. Je vais aussi rectifier une information concernant GTA Plus et en ajouter une que je n'avais pas au moment où j'ai fait la vidéo concernant GTA Plus, pour ceux que ça intéresse. Et on va parler aussi vite fait des Prime Gaming, puisque ça a augmenté un tout petit peu les gains par semaine. Donc on est parti. On démarre d'abord avec le casino et pour l'abonnement GTA+. Alors ceux qui ont pris l'abonnement ce mois-ci de GTA+, sachez que quand vous allez vous rendre donc ici à l'accueil du casino, vous pourrez avoir un bonus de visiteurs. Vous savez que vous pouvez récupérer tous les jours dans le casino. C'est-à-dire qu'à la base, c'est 1000 jetons que vous pouvez récupérer chaque jour, toutes les 24 heures IRL sur GTA Online. Et bien sachez que là, pendant les 3 semaines de ce GTA+, vous aurez la possibilité de récupérer jusqu'à 3000 jetons. Voilà. On passe ensuite au bonus concernant GTA+, toujours. Je vous avais dit dans ma vidéo concernant GTA+, qu'il y avait donc les contre-la-montre en double RP et double GTA dollar. Alors sachez que les contre-la-montre de base, donc le contre-la-montre RC Bandito et le contre-la-montre d'Elysian Island par exemple cette semaine, donc ces contre-la-montres là qu'on avait de base hein, sur toutes les consoles, qui sont disponibles sur toutes les plateformes, seront en double RP et double GTA dollar pendant 3 semaines. Mais attention, Rockstar précise que le contre-la-montre HSW, uniquement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series XS, n'est pas en double RP et double GTA dollar. Bizarre, parce que en plus le GTA Plus est seulement sur les consoles next-gen, et le contre-la-montre next-gen n'est pas doublé. On se fait un petit peu baiser là-dessus, encore une fois. Mais bon, je préfère vous le préciser, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à poser la question, du coup je suis allé vérifier après sur un Newswire qu'ils avaient sorti à 18h, alors d'habitude c'est à 16h, mais voilà, au moins vous avez l'info, quoi. On passe maintenant au bonus des 200 000 GTA dollars que vous pourrez récupérer cette semaine sur GTA Online. Alors c'est pas très compliqué. Je pense que vous devez être quand même minimum 2. Essayez tout seul si jamais ça marche. Vous pouvez essayer, hein, de toute façon au pire. Hein. Mais il faut en fait terminer 4 courses de Monster Truck. Avec, je vais vous les montrer dans cette vidéo, tout simplement, en fait, les 4 courses. Et ces 4 courses, une fois que vous les aurez terminées, vous aurez 200 000 GTA dollars en bonus au bout de 72 heures sur votre compte Maze Bank. On est parti donc pour les 4 courses. Il y aura Étendue Sauvage, à bout de l'Agadou, Monstre des Marais. Et pour terminer, la quatrième et dernière course qu'il faudra terminer pour obtenir les 200 000 GTA dollars, et c'est là que ça se passe. Voilà. Pour terminer cette vidéo, on parle vite fait des Prime Gaming et des avantages le concernant. Donc pour tous les joueurs de GTA Online qui ont réussi à se connecter avec leur compte Rockstar Games au Social Club et à Prime Gaming, donc à lier les deux comptes Prime Gaming et Social Club bien évidemment, recevront désormais 125 000 GTA dollars et non plus 100 000, soit un ajout de 25 000 GTA dollars par semaine, juste pour avoir joué à tout moment sur GTA Online chaque semaine. Donc une fois par semaine, pour ceux qui ont Prime Gaming, il faut que vous jouiez au moins une fois par semaine à GTA Online pour avoir 125 000 en bonus chaque semaine. Voilà. Et là, pareil, tous les bonus GTA dollars seront déposés sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures après votre connexion. Voilà les Breakers. Allez Breakers, c'est la fin de cette petite vidéo sur les bonus de GTA Online. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, à dire en commentaire ce que vous pensez des bonus. Et puis voilà quoi, pourquoi pas vous abonner en activant la cloche de notification si jamais vous découvrez la chaîne via cette vidéo. Et puis on se retrouve bien évidemment très rapidement pour de nouvelles vidéos sur GTA Online et la chaîne TGS Rockstar Club. Passez un agréable lundi et une bonne semaine à tous, à très vite, ciao.